Salut tout le monde, c'est Nico, votre coach. Et aujourd'hui, nous allons travailler les muscles du dos avec un mouvement qui s'appelle le dumbbell row. Pour réaliser ce mouvement, vous aurez besoin d'une haltère et d'une surface un petit peu plus élevée. J'ai pris, pour ma part, une Swiss ball, mais vous pouvez prendre quoi que ce soit d'autre, que ce soit une chaise ou n'importe quoi, ok? De manière que ce soit un petit peu plus élevé, ok? Dans cette position, donc, vous allez prendre appui avec votre main avant sur ici la Swiss ball ou votre surface élevée, d'accord? Pour maintenir votre dos. L'autre bras va être ici relâché en position vers le sol en gardant votre haltère ici bien dans votre main. Et le but du mouvement va être tout simplement de tirer votre coude le plus loin possible vers l'arrière et ensuite de redescendre. Ça marche? Allez, attention, c'est parti pour 20 répétitions sur chaque bras. Allez avec moi, c'est parti. 1, et redescendez. 2, et on descend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez votre tête dans une position neutre. Et essayez de souffler lorsque vous tirez votre coude vers l'arrière. Ça marche? Allez, on continue. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On relâche et maintenant, même travail de l'autre côté. Allez, en place, prenez bien appui, le bras tendu devant et on tire. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à la moitié, on continue. Voilà, super. Allez, accrochez-vous. Alors, il est possible que le mouvement vous paraisse assez simple. Si c'est assez simple, vous pouvez tout simplement prendre des haltères un peu plus lourdes. Okay ? Le but est de réussir à terminer ces 20 répétitions. Allez, plus que deux. Et la dernière. Et on relâche. Le dumbbell row est donc à réaliser 20 répétitions de chaque côté. Et cela constitue le premier round. Ce que je vous demande, c'est de réaliser 4 rounds sur cet exercice. Ça marche? Et enfin, sachez que si vous voulez faire un bon entraînement au niveau de votre dos, je vous conseille d'ajouter 3 autres mouvements. Ok? Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!